acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signais Fatima Camara que dans mes fonctions de ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la Transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en temps, lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ses engagements et oppose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Je le jure. En tant que membre du gouvernement, que vous fassiez preuve d'exemplarité vis-à-vis de vos subordonnés et surtout d'abnégation. Et ici, vous avez le Premier ministre chef du gouvernement qui a toute ma confiance pour mener le gouvernement. Vous êtes assez grand déjà pour prendre les bonnes décisions. Je voudrais ici prier le bon Dieu qu'il vous donne la santé et qu'il vous donne l'énergie nécessaire qu'il faut pour mener à bien cette transition, vous dire que vous avez ma confiance, c'est pourquoi vous êtes là. Et finalement, ne comptez que sur vous-même pour changer notre pays. On ne peut le faire que nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Nos concitoyens nous regardent. Et bien sûr, ils sont exigeants, ils le seront toujours, et ce qui est normal. Je vous remercie et vous dis que vous avez ma confiance.